Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, je vous salue dans le beau nom de Yehoshua Mashiach. L'ami Yehoshua est bon, alléluia, l'ami Yehoshua, tel est son nom, Yehoshua Mashiach. L'ami, son nom est bon, son nom est tout-puissant, alléluia. L'ami, je vous convie à la prière, Père, sur l'adoration, papa, alléluia, papa d'amour. Madame, on a besoin de ton papa d'amour parce que nous sommes des religieux, papa, alléluia, papa d'amour. On a besoin de ton papa d'amour. Que tu puisses nous délivrer de la religion, papa. Que tu puisses nous délivrer de la religion, père. Parce que, papa d'amour, la religion ne nous amène pas à toi, mais la religion nous amène, papa d'amour, à des choses d'hommes, à des choses d'hommes, papa. Papa d'amour, on a besoin de toi, papa d'amour, de ta délivrance, père. Alléluia. Père, on a besoin, papa d'amour, de pouvoir t'adorer en esprit, en vérité, comme tu l'as dit, père. On a besoin, papa d'amour, de pouvoir, papa d'amour, aller directement à toi, qu'il n'y ait pas d'homme entre toi et nous, père. Alléluia. L'ami Yehoshua est bon. Alléluia. L'ami Yehoshua est bon. Alléluia. Alléluia. Mes amis, comment, mes amis, alléluia, mes amis, la religiosité prend naissance chez un être humain? Mais comment, mes amis, la religiosité prend naissance chez un être humain, chez un individu, un homme, une femme? Comment, mes amis, quelqu'un devient religieux? Amis, on peut naître dans une religion, hein? On peut, alléluia, on peut, mes amis, hein? On peut commencer à fréquenter une assemblée, devenir religieux, il n'y a pas de souci, mes amis. Mais, mes amis, il y a aussi, mes amis, le fait, mes amis, qu'on développe la religion malgré nous. Mes amis, alors qu'on n'a jamais été religieux, on n'a jamais fréquenté d'assemblée. Amis, et alléluia, mes amis, et on, amis, on tombe sur le retour à la parole, amis, on a la vraie parole, mes amis, le véritable évangile, l'évangile qui guérit, l'évangile pur, amis, l'évangile qui vient du ciel, amis, et amis, on se convertit, enfin, amis, on se convertit, on vient au Seigneur, mes amis, et on tombe dans la religion. Comment se fait-il, mes amis, que la religion arrive? Comment se fait-il, mes amis, que nous, mes amis, nous devenons religieux? Comment se fait-il? Mais comment la religiosité prend place dans la vie d'une femme, d'un homme? Comment se fait-il? Comment se fait-il, mes amis, que ça arrive? On devient religieux, mes amis, alors que, mes amis, on n'est pas dans des assemblées. On devient religieux. Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, il y a quelque chose qui se passe. Comme ça. Mes amis, c'est la question, mes amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, que nous aimerions nous poser. Alléluia, alléluia. Mes amis, que nous aimerions nous poser. Comment la religiosité prend naissance chez un individu? Hein? Un individu, mes amis, qui n'a jamais été dans une assemblée, qui n'a jamais été religieux. Comment se fait-il, mes amis, qu'il devient religieux? Amis, être religieux, mes amis, c'est chercher le ciel, chercher à atteindre le ciel par ses propres moyens, hein, en faisant des choses bizarres, en ayant des formes, des formalités, des choses, des habitudes, des choses, amis, amis, des choses d'hommes. Comment ça? C'est mes amis, et fonctionner, mes amis, charnellement. Alléluia. Et donc, mes amis, ne pas fonctionner en esprit. Comment ça? Alors, mes amis, c'est, mes amis, faire des choses, mes amis, pour atteindre le ciel, pour, mes amis, hein, avoir, mes amis, de la rigueur, faire avoir de la rigueur, mes amis, dans la vie, pour essayer de plaire au Seigneur, avec nos propres moyens, mes amis, c'est ça, être religieux. Mes amis, et comment, mes amis, on commence par l'esprit et on finit par ça? Hein? Alléluia. Comment, mes amis? Hein? On commence, mes amis, par l'esprit, et on finit, mes amis, par la chair. Mes amis, comment se fait-il, mes amis, que la religion prend place dans une vie? Comment, mes amis, on devient religieux, mes amis, sans avoir été religieux dans le passé, mais on le devient. Comment se fait-il, mes amis? Mes amis, on va voir, mes amis, de la part du Mashiach. Mes amis, on va voir, mes amis, que, mes amis, le risque, mes amis, qui se pose à nous, mes amis,
C'est même pas le risque, mes amis, c'est le fait, mes amis, qu'on vient au Seigneur, mes amis. Nous sommes des nouveau-nés, soi-disant. Mais, amis, nous sommes des nouveau-nés, soi-disant, mais on agit comme des grands. On ne se considère pas comme des nouveau-nés. Donc, mes amis, si tu es un nouveau-né, donc, il te faut commencer par l'enseignement, ce qui est naturel. Mais si tu ne veux pas être enseigné, mes amis, c'est terrible ça. Dès le départ, en fait, il y a un souci. Et en fait, ça viendra, mes amis, de ce que tu vas entendre des soi-disant frères et sœurs, ce que tu vas entendre. Mais la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole d'Élohim. Mais qu'est-ce que tu vas entendre? Qu'est-ce que tu vas entendre? Tu vois? C'est ça vient de. Mes amis, c'est terrible, ça, dès le départ. Mes amis, il y a une histoire, mes amis, de ce que tu vas entendre, ce que tu vas écouter. C'est quand tu viens à Yeshua, tu te mets à regarder YouTube matin, midi, soir. Mais YouTube, c'est une poubelle. Mes amis, sur 100 messages, pour trouver un message qui vient du ciel, mes amis, il faut se lever tôt. Et donc, mes amis, et donc les 99 autres messages, mes amis, ça vient du diable. Et donc, toi, tu dois te mettre à regarder plein de choses, à entendre plein de choses. Et même, mes amis, des soi-disant frères vont venir te parler. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Mes amis, ça vient de là, de départ. Et donc, ce que tu vas entendre. Donc, tu te donnes au Seigneur, mes amis. Donc, tu commences par l'esprit. Et qu'est-ce que tu vas entendre après? Mes amis, et si on n'est pas enseigné, mes amis, dès le départ? Mes amis, si on n'a pas, mes amis, la nourriture qui vient du ciel dès le départ, mes amis, alléluia. Mes amis, il y aura, mes amis, des semences. Et mes amis, ce sont des semences de la religion. Mes amis, ça vient de là, le point de départ. Ah, donc, dès lors que tu te donnes au Seigneur, alléluia, mes amis, dès lors que tu viens au Seigneur, hein? Mais il faut pouvoir, mes amis, alléluia, mes amis, être connecté au Seigneur, avoir l'intimité avec le Seigneur, c'est important. C'est important de développer son intimité avec le Seigneur, mes amis, c'est important. On est dans un monde de loups. Mes amis, tout ce qui nous entoure là, mes amis, il y a beaucoup de loups, mes amis, tout ce qu'on voit, mes amis, sur YouTube, beaucoup de loups. Mes amis, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on écoute, mes amis? Hein? Si on écoute, mes amis, la nourriture, mes amis, hein, mes amis, de la nourriture mauvaise, mes amis, on sera mal nourri. Point de ça. Si on mange la nourriture mauvaise, on sera mal nourri, mes amis. Et la parole de Dieu, mes amis, c'est une nourriture. Mais si elle est, mes amis, si elle vient pas du ciel, mes amis, si c'est un évangile mauvais, mes amis, on va, mes amis, ça va se répercuter sur notre vie spirituelle, mes amis. On va développer la religion. Mes amis, c'est terrible ça. On va développer, mes amis, la religion, mes amis. Ça vient, mes amis, du fait, mes amis, que on ne fait pas la volonté du Père. Vous comprenez ça? On dit au Père que ta volonté se fasse sous la terre comme elle est faite au ciel. Mais on ne fait pas la volonté du Père. Alors, mes amis, il n'est pas là. Vous comprenez ça? On fait les choses, mes amis. On a installé la religion. On s'est même pas vu, on n'a même pas vu à quel moment. Problème d'intimité avec le Père dès le départ, mes amis. Mes amis, quelqu'un, mes amis, qui est sincère, mes amis, qui se donne au Seigneur, mes amis. S'il est mal entouré, mes amis, ah, mes amis, c'est terrible. S'il est mal entouré, mes amis, eh bien, il va entendre des choses bizarres. Ça va agir sur sa vie. Il va, mes amis, il sera mal enseigné. Hein? Mes amis, c'est ça qu'il faut, l'intimité avec le Père, mes amis, c'est important. Qu'est-ce que le Père dit? Qu'est-ce que le Père t'a dit? C'est important, mes amis, d'avoir l'intimité avec le Père. Hein? C'est important, mes amis, d'être bien enseigné. Mes amis, quand tu es nouveau-né, là, il te faut l'enseignement, mais l'enseignement qui vient du ciel. Mes amis, l'enseignement qui vient du ciel, mes amis, est rare. Comprenez ça? L'enseignement qui vient du ciel est rare, mes amis. Hein? L'enseignement est rare. Mes amis, il faut le chercher. Hein? Si tu n'as pas, hein? Si tu n'as pas ça, tu cherches l'intimité avec le Seigneur. C'est important, mes amis. C'est important, mes amis, de pouvoir entendre l'évangile pur, l'évangile qui vient du ciel. Parce que, mes amis, sinon, mes amis, on est, mes amis, on sera victime, mes amis, de ce qu'on va écouter. Mes amis, on va faire des religieux. On va faire des choses, mes amis. On va faire des choses, mes amis, pour le Machia, sans le Machia.
Nous serons dans des organisations d'hommes, mes amis, des véritables religieux, alors qu'on croit qu'on est hors la religion. Mes amis, on va former une autre religion. Vous voyez? Il manque que le titre. Il va manquer que le titre, mes amis. Je vous le dis, des clubs d'hommes et de femmes, hein, qui vont manger ensemble, hein, qui vont faire des choses ensemble. Mais des clubs, comme ça. Mes amis, la foule là, mes amis, ce sont des clubs. Vous savez, comprenons ça. Vous savez, il n'y a pas l'enseignement qui vient du ciel, mes amis. Amis, l'enseignement qui vient du ciel, mes amis, hein, mes amis, ne te caresse pas dans le sens du poil. Vous comprenez ça? C'est la vérité, mes amis. Mes amis, la vérité, mes amis, ne te caresse pas dans le sens du poil. La vérité reste la vérité. Mes amis, un chat, c'est un chat. Hein. Vous savez, la vérité ne va pas appeler un chat un chien. Vous savez, c'est la volonté du Père qui n'est pas faite. C'est notre volonté qui est faite à la place de la volonté du Père. Comment ça? C'est ce qui se passe, ça coince à ce niveau-là. Donc, dès lors, mes amis, que c'est ta volonté qui est faite, en fait, tu es dans la religion. La religiosité s'est installée en toi. Et donc, tu fais des choses pour le Père, mais sans le Père. Mes amis, c'est terrible, ça, mes amis. Et, mes amis, on est, mes amis, on n'est pas à l'abri de ça. Ça, mes amis, qu'il faut, mes amis, avoir l'enseignement pur, mes amis. On est des nouveau-nés, soi-disant, mes amis, mais on vient, mes amis, on vient avec des bagages aussi. Mes amis, mais on est des nouveau-nés, mes amis, mais conduisons-nous en nouveau-nés. On a besoin, mes amis, alléluia, hein, mes amis, on a besoin de grandir, on a besoin d'enseignement, de l'enseignement pur. Mais considérons, mes amis, qu'on a besoin de l'enseignement pur. Amis, mais si tu viens à Yahushua, et t'es déjà bien orgueilleux, hein, t'as un orgueil démesuré. Mais tu ne voudras pas t'humilier pour être enseigné. Hein, tu vas t'enseigner toi-même sur YouTube. Alors que, mes amis, c'est terrible ça. Alors que, mes amis, c'est des loups qu'on a sur YouTube. Il y a des gens qui nous entourent, mes amis, qui parlent de Yahushua, mes amis, mais il y a beaucoup de loups. Donc, mes amis, il faut l'enseignement. T'es un nouveau-né, mais il faut l'enseignement. Il faut être enseigné. Amis, de la part du Machia, il faut t'humilier, il faut accepter qu'on te dise que tu es orgueilleux et que si tu continues comme ça avec ton orgueil, tu n'iras pas au ciel. Il faut qu'on te le dise, c'est la vérité, amis. Mais si tu veux pas entendre ça, si tu veux pas entendre ça, hein, mais il faut pouvoir entendre ça, c'est la vérité. Et pour ça, il faut l'évangile pur, il faut des frères et sœurs, mes amis, des véritables frères et sœurs qui te disent la vérité. Qui t'aide, parce que mes amis, on aime mes amis, alléluia, mes amis, les frères aiment les frères et sœurs, mes amis, comme ça, les frères et sœurs aiment les frères et sœurs, ma chia. Nous sommes frères et sœurs, mais ce n'est pas pour rien, on a le même père. Donc, mes amis, on s'aime, mes amis, donc on se dit la vérité. Hein? Comme ça? On va se dire la vérité. Si un frère est orgueilleux, on va lui dire, t'es orgueilleux. On va prier avec toi. Comme ça? On est là, mes amis. Alléluia, mes amis, pour la perfection des saints. On est là, mes amis, pour la perfection des saints. Mes amis, pour ça, mes amis, il faut comprendre qu'on est nouveau-né. Il faut comprendre qu'on a besoin d'être enseigné. Il faut comprendre, mes amis, que nous sommes pas, nous sommes nouveau-nés. Le mot, mes amis, l'expression dit bien ce qu'on est. On est nouveau-né. On est un bébé nouveau-né. Donc, mes amis, il nous faut l'enseignement, mais l'enseignement qui vient du ciel. Comme ça? Et l'enseignement, mes amis, qui est basé sur la vérité. Comme ça? Et, mes amis, et donc, la vérité, mes amis, il va falloir se soumettre à la vérité, se soumettre à la volonté d'Élohim, mes amis. Et c'est là que ça coince. Parce que si tu refuses la volonté d'Élohim, c'est ta volonté qui sera faite. Vous comprenez ça? Si tu refuses la volonté d'Élohim, c'est ta volonté qui sera faite. C'est pas la volonté de l'homme, alors qu'on dit au Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais c'est notre volonté qui est faite parce qu'on ne veut pas chasser l'orgueil, on ne veut pas, mes amis, que l'orgueil s'en aille, on veut garder nos affaires, on va se dire, mais pour qui se prend lui celui-là? Mes amis, l'orgueil est terrible. Si tu es menteur, tu veux garder ton mensonge, ta cupidité, tu veux garder ta cupidité. Donc, mes amis, on fait notre volonté, on vient au Seigneur, mais mes amis, on ne veut pas se soumettre à la volonté du Seigneur. Et on dit, mes amis, au Père, que ta volonté se fasse. Mes amis, on est dans l'hypocrisie avec le Père. Mes amis, Yahushua est bon. Alléluia.
Mais Yoshua est bon, point de ça. Mais Yoshua est bon. On se dit, mais père, mais pourquoi il y a autant de. Mais pourquoi les enfants de la délaissée sont si nombreux? Mais c'est écrit. Mais c'est écrit. On ne veut pas se soumettre à la volonté du Père. On le dit du bout de la langue, mais on ne veut pas se soumettre à la volonté du Père, mes amis. Parce que la volonté du Père, c'est que il te façonne, hein? Il t'enlève, hein? Des choses bizarres, la crasse. Il t'enlève la crasse. Mais toi, si tu veux garder ta crasse, hein? Mes amis, on est libre en Mashiach. C'est la liberté, mes amis, que le Mashiach fonctionne. Il ne va pas te forcer. Il faut te soumettre à sa volonté. Mais c'était bien dans ton orgueil, là, installé. Mes amis, c'est terrible, ça. Et mes amis, c'est ce qui se passe. Ça coince au niveau de la volonté du Père qui n'est pas faite. Ça, la religion s'installe. Comment ça? La religion s'installe, mes amis. Et on fait des choses pour le Père, sans le Père. Comment ça? Et mes amis, l'ennemi, mes amis, le diable est rusé. Le diable va te faire croire des choses, hein, que tu es dans le Père, alors que tu es bien cupide, tu es bien orgueilleux, hein, tu es bien arrogant, comme ça? Tu es bien, alléluia, hein, menteur. Mais le diable va te faire comprendre que tu es dans le Seigneur, que tu vas au ciel avec ça. Mais quand la religiosité s'installe, quand est-ce que la religiosité s'installe dans une vie? Hein? Le diable va te faire comprendre que, mes amis, c'est terrible ça. Tu auras des rêves, des songes, mais des songes qui ne viennent pas du Seigneur. Mes amis, le diable est rusé. Ce n'est pas un dernier né là, mes amis. Il est rusé. Mes amis, il faut comprendre ça. Mes amis, il nous faut, mes amis, on est nouveau-né, il faut qu'on s'humilie. Et qu'on accepte la volonté du Père, qu'on se soumette à la volonté du Père, mes amis, et que sa volonté se fasse pour nous. Hein? Que sa volonté se fasse, mes amis. Qu'il nous façonne, qu'on accepte, mes amis, hein? Qu'on accepte d'être repris par le Père. Qu'on accepte, mes amis, hein? L'enseignement qui vient du ciel, la vérité, se soumettre à la vérité. On bute là, mes amis, ça, on bute là, mes amis, comment ça? Beaucoup, la majorité bute, mes amis, là, à ce niveau-là. Hein, mes amis, parce que, mes amis, nous ne sommes pas qu'un esprit. Hein? Nous sommes, mes amis, alléluia. Hein? Esprit, hein? Âme, alléluia, et corps, alléluia. Mes amis, mais tout ce qu'on a, mes amis, accumulé dans l'âme, là, mes amis, notre âme n'est pas parfaite qu'on vit en Seigneur. Alléluia. Mais notre âme n'est pas parfaite. Hein? Les amis, comprennent ça? Elle n'est pas parfaite. Donc, mes amis, on vient là, mes amis, mais il faut qu'on soumette, mes amis, notre volonté à la volonté du Père. C'est important. C'est important, mes amis. Comprennent ça? Hein? C'est important, mes amis, de marcher en esprit. C'est important, mes amis, ça nous protège de beaucoup de choses. De beaucoup de dérapages, mes amis, point de ça. De beaucoup de, mes amis, d'organisations dans le vent. Mes amis, il y a beaucoup d'organisations qui sont faites dans le vent sans le Seigneur. Pour le Seigneur, mais sans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mes amis. Beaucoup de mes amis, alléluia, d'agitation. Beaucoup d'agitation, mes amis, mais sans le Seigneur, pour le Seigneur. La religion, mes amis, quand est-ce que la religion s'installe dans un cœur, dans une vie? Mais c'est terrible ça. Et on parle des religieux alors que nous sommes aussi religieux. Et on parle des religieux, on dénonce les religieux, les religions. On dénonce les religions, mes amis, alors qu'on est aussi, on est religieux, comme pas possible. Ben oui. Ben oui. Vous savez, on fait des choses sans la volonté du Père. On fait des choses de manière charnelle, mes amis. C'est la chair qui nous dirige et qui nous, mes amis, hein, mes amis, qui nous mène en bateau. Notre chair nous mène en bateau avec le diable, avec son copain le diable, mes amis. On est mené en bateau. Comment ça? Ça, mais c'est terrible ça. Mes amis, la religion s'est installée. Comment ça? Mes amis, on combat, mes amis, hein, les véritables, mes amis, enfants du Seigneur. On les combat même.
On les combat, mes amis. Hein? On continue, mes amis, à lire la parole, mes amis, mais charnellement. Il n'y a pas la vie. Hein? On défend la parole, mes amis. On pour on, mes amis, mais comme dans la religion. Hein? Texte contre texte, mes amis, mais comme dans la religion, mes amis, on n'est pas en esprit. Père, mais, Père, fais grâce, papa. Ben oui. Mais quand est-ce que la religion prend place, mes amis? Et la religion prend place rapidement. Il suffit qu'on ne fasse pas la volonté du Père. Regardez. Nous sommes dans Lucas 11, verset 1 à 4. Mes amis, Yeshua va enseigner sur la prière. Comment prier? Et il arriva, comme il était en prière, en un certain lieu, que l'un de ses disciples lui dit, dès qu'il eut cessé, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Yohanan l'a enseigné à ses disciples. Et il leur dit, quand vous priez, dites, Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous selon le jour notre pain qui nous suffit chaque jour, et remets-nous nos dettes, remets-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi nous remettons à tous ceux qui nous doivent. Et ne nous fais pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Vous voyez? Vous avez Yeshua, vous avez leur apprend à prier. Vous avez Yeshua dit, vous avez verset 2, et il leur dit, quand vous priez, dites, Notre Père qui est dans les cieux. Donc, il n'y a pas de problème. Que ton nom soit sanctifié. Il n'y a pas de problème. Que ton royaume vienne. Il n'y a pas de problème. Que ta volonté soit faite. Là, il y a un problème. Vous voyez? Ça coince là. Ça coince là, mes amis. Lorsque mes amis, on est religieux, que la religion s'est installée en nous. Amis, c'est pas la volonté, on se soumet pas à la volonté du Père. On le dit du bout de la langue, mais on se soumet pas à la volonté du Père. On ne veut pas se soumettre à la volonté du Père. Donc on le dit, que ta volonté, soit faite, que ta volonté soit faite, mes amis, mais comme dans le ciel, aussi sous la terre, mes amis. On ne veut pas de sa volonté sous la terre. On n'en veut pas. Parce que c'est notre volonté qui prime. On décide, mes amis. Alléluia. Mes amis, on décide. Vous allez rencontrer beaucoup de gens qui se disent frères et sœurs. Là, oui, la foule, vous allez rencontrer. Ils vont vouloir vous dire d'organiser beaucoup de choses pour le Seigneur, mais sans le Seigneur. Donc, la foule, là, mes amis, nombreuses. Donc, vous allez rencontrer du monde. Donc, amis, vous allez organiser des choses, des conférences, des choses, des toutes sortes de choses, mais sans le Seigneur. Parce que, mes amis, on n'est pas soumis à la volonté du Père. C'est terrible, ça. Amis, Yeshua est un aile d'ordre. Comment ça? C'est un aile d'ordre. Amis, c'est terrible, ça. Il y a des choses, amis, à respecter. Il faut, amis, se soumettre à la volonté du Père. Si le Père veut, te façonner, t'enlever ton orgueil, et toi, tu combats le Père, et tu fais ta volonté, mais comment tu veux faire les choses pour le Père, et que le Père agrée cela? Amis, le Père, Yeshua Mashiach, est un aile d'ordre. Et c'est sa volonté qu'on fait. Vous comprenez ça? C'est sa volonté qu'on fait. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? C'est simple. C'est lui qui décide. Et nous, on exécute. Pas le contraire. Amis, est-ce que vous comprenez ça? Le choix est bon, mes amis. Alléluia. Donc, mes amis, ta volonté soit faite, mes amis. On le dit, mes amis, mais on ne se soumet pas à ça. Yeshua te demande d'être isolé pendant un moment. Mais tu veux pas, tu veux être avec du monde. Hein? Tu veux. Mais sa volonté, c'est que tu sois, tu t'isoles. Tu as fait quoi? Tu as décidé quoi? Mais Yeshua est pour. Mais la volonté du Père. La volonté du Père. Yeshua veut que tu te sépares. Hein? Des individus qui se disent frères et sœurs, mais qui ne le sont pas, te séparent. Mais toi, non, tu es dans les sentiments.
eh bien, tu n'es pas soumis à la volonté du Père. Tu n'es pas soumis à la volonté du Père. La volonté du Père, c'est que toi, tu te sépares et tu ne te sépares pas. Comment tu veux, les amis, organiser des choses pour le Seigneur. Et le Seigneur n'est pas dans tes affaires. Il t'a demandé de te séparer. C'est dans ses paroles, de sa parole, il te demande de te séparer des gens qui se disent frères qui ne le sont pas. Ben oui, il n'y a pas de sentiment dans les affaires du Seigneur, mes amis. Alléluia. Vous comprenez ça? Il te dit les choses. C'est sa volonté. On dit que ta volonté soit faite. Mais mes amis, on ne se soumet pas à la volonté du Seigneur. On le dit du bout de la langue, mais on ne se soumet pas. Alléluia. Alléluia. Ami, sa volonté te dit que tu sois lent à la parole. Mais tu parles sans réfléchir, tu parles. Mais ce n'est pas sa volonté, au Père. Comment tu peux le servir? Comment tu peux le servir si tu ne te soumets pas à sa volonté? Alléluia. Ami, Yoshua est bon. Ami, on mange comme il le faut. Alléluia. Yoshua te dit que ton mari est le chef du foyer. Mais toi, tu veux pas. Tu veux t'imposer sur ton mari. Mais t'es pas, tu ne fais pas la volonté du Père. Et tu dis au Père que ta volonté se fasse. Les amis, c'est ça, les amis, la religion. La religion, les amis, comprends ça. À la maison, tu es une véritable Jézabel. Tu prends le contrôle sur ton mari. Ton mari s'exécute. Et les amis, c'est terrible ça. Et tu adores le Seigneur, mais tu es la religion, tu l'adores charnellement. Les amis, c'est terrible ça. Comment ça? La religiosité qui s'installe dans un cœur, dans une vie. Les amis, c'est terrible ça. On ne fait pas la volonté du Père, mes amis. On ne se soumet pas à la volonté du Père. Comment ça? Les amis, c'est terrible ça. On ne se soumet pas, mes amis, à la volonté du Père. Ah oui? Yoshua te dit, aime ton ennemi. Toi, tu te dis, mais comment je ne vais pas aimer mon ennemi? C'est impossible, mes amis. Et tu combats, mes amis, la volonté du Père. Et tu veux faire les affaires du Père. Tu calomnies même des frères. Et tu veux faire la volonté du Père. Tu es dans les affaires du Père. Tu fais ta volonté. La volonté du Père n'est pas faite dans ta vie. Tu es dans la religion, mon ami. La religion s'est installée. Et toi qui dénonces la religion, tu es bien religieux. Amis, c'est terrible ça. Je vous le dis, au nom de ma chia. Amis, on mange comme il le faut. Yoshua est bon. Amis, c'est terrible ça. On se dit, mais c'est pas possible. Faire la volonté, mes amis, du Père. Alléluia. Vous savez, la volonté du Père n'est pas faite. Comment ça? Elle est faite, bien sûr. Alléluia. Malgré nous. Mais mes amis, si ça ne tenait qu'à nous, mes amis, la volonté du Père ne serait pas faite. Mes amis, il faut comprendre les choses, mes amis. On ne donne pas au Père la place. Mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible, mes amis, comment la religion s'installe. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, la volonté du Père, mes amis, c'est qu'on s'occupe, mes amis, des veuves, des orphelins. Mes amis, de qu'on visite les prisonniers, mes amis, mais on fait notre volonté, bien souvent. On fait notre volonté, mes amis, on n'a pas à cœur cela. On a à cœur d'autres choses, on a à cœur notre ministère. Eh bien, tu fais ta volonté. On a à cœur d'être vu, mes amis. Tu fais ta volonté, mais pas celle du Père. Mes amis, c'est terrible ça, la volonté du Père, mes amis. Et on dit au Père que ta volonté se fasse, mes amis. Regardez l'hypocrisie. Regardez l'hypocrisie, mes amis. Il faut s'intéresser aux fruits. Qu'on n'a pas été enseigné. Quand, mes amis, dès le départ, mes amis, quand l'enseignement n'est pas venu du ciel. Ça, on a refusé l'enseignement, mes amis, qui vient du ciel. On a refusé, mes amis, l'enseignement qui vient du ciel. Mes amis, parce qu'on n'a pas été assez humbles, mes amis, pour reconnaître que nous sommes des nouveaux-nés. Comment ça? Les amis, on a mangé du n'importe quoi. Les amis, ça donne la religion. On a mangé, mes amis, des repas bizarres. Surtout, mes amis, sur YouTube, là, mes amis, on va sur YouTube, mes amis, il n'y a que des repas bizarres, mes amis, plus souvent. Que des repas bizarres. Les amis, c'est terrible, ça, mes amis.
C'est terrible. Ça ressemble, mes amis, à la parole, mais ce n'est pas la parole. Mes amis, la parole sans la vie. La parole, mes amis, sans la vie, mes amis, c'est terrible, ça. La parole sans la vie, mes amis, ça fait des religieux. Alléluia. Ça fait Yeshua est bon. On se dit, Père, mais comment? Comment faire? Mes amis, le Père a ses enfants. Le Père a ses enfants, mes amis. Il dit, mes enfants connaissent ma voix. Mes Bobby connaissent ma voix, mes amis. Comme ça, ces Bobby connaissent sa voix, mes amis. Et à sa voix, mes amis, elles vont connaître sa voix et elles vont le suivre. Comme ça. Mes amis, c'est terrible, ça. C'est terrible, mes amis. Comment, mes amis, on peut refuser l'enseignement, mes amis. Comment on peut, mes amis, dans l'enseignement pur, mes amis, se soumettre à la vérité, mes amis, parce que la vérité ne va pas, mes amis, dans le sens, ne nous caresse pas dans le sens du problème, mes amis. Il est dit, mes amis, que les hommes, mes amis, dans les derniers temps, voulant entendre des fables, des choses qui chatouillent les oreilles. Point de ça? On veut des choses qui chatouillent l'oreille, mes amis, qui nous chatouillent l'oreille. Point de ça? Qui nous chatouillent l'oreille, mes amis. C'est ça qui se passe. On ne veut pas entendre la vérité, les choses, mes amis, qui nous disent notre état. Et donc, mes amis, les frères et sœurs, mes amis, qui de la voix du Machia, qui vont vous dire votre état, et bien vous allez les maltraiter, vous allez les calomnier. Parce que, mes amis, la vérité, mes amis, n'est pas acceptée. On n'aime pas la vérité, mes amis. Et la vérité reste la vérité. La vérité ne va pas changer pour toi. La vérité ne va pas changer pour toi. Mes amis, c'est terrible, ça. Mes amis, quand la religion s'installe dans une vie, alors que tu n'étais pas religieux avant, mais tu es plus religieux que religieux. Ben oui. Alors que tu fais les choses charnellement, tu fais les choses pour Yeshua, sans Yeshua. Mes amis, c'est terrible ça. Et mes amis, c'est la majorité. Sur la place, même c'est la majorité. Mes amis, des gens qui se parlent du Machia. C'est terrible ça, mes amis. Il n'y a pas la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mes amis, ils sont devenus religieux. Ils sont devenus religieux. Ben oui. Ils sont devenus religieux. Mes amis, il n'y a pas l'intimité avec le Seigneur, mes amis. Hein? C'est l'hypocrisie qui continue. La même hypocrisie qui était dans le système, qui se trouve dans le système, mes amis, d'assemblée. Eh bien, c'est la même hypocrisie qu'on retrouve, mes amis. Il n'y a pas de nom, mais il manque que le nom. Mes amis, c'est terrible ça. Ben oui. On se dit, Père, mais c'est grave. Papa, mais. Qu'est-ce qui se passe là? Papa, mes amis, c'est une minorité, mes amis. On a du mal à comprendre cela. C'est une minorité, mes amis. C'est une minorité, les enfants du Machia, mes amis. Mes amis, c'est une minorité. Mes amis, on a du mal à comprendre ça. On se dit, Père, mais c'est. Mes amis, c'est une minorité, mes amis. Parce que, mes amis, parce que il faut aimer le Père pour se soumettre à sa volonté. Il faut l'aimer, mes amis. Il faut détester, hein? Il faut détester le péché. Il faut haïr le péché. Parce que le Père est le péché, mes amis. Mes amis, il faut la semence du Père. Comprenez ça? Il faut, mes amis, que le sang du Père coule dans tes veines. Il faut qu'il y ait, mes amis, une affiliation. Il faut qu'il y ait quelque chose du Père. Comprenons ça? Il faut détester le péché. Il faut haïr le péché, mes amis. Il faut vomir ce monde-là. Mes amis, comment ça? Alors, comme vous savez, que la volonté du Père, c'est justement hein, de faire te séparer du monde, tu vois, de faire sortir de ce monde-là, mais tu aimes ce monde-là, donc tu n'es pas dans la volonté du Père. Tu ne veux pas que la volonté du Père, mes amis, soit faite en ce qui te concerne, parce que si tu aimes ce monde-là, mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible, mes amis, c'est terrible. Tu as investi dans ce monde-là, c'est normal, mes amis. Et lorsque, mes amis, les choses arrivent, là, mes amis, eh bien, que tu sois bouleversé comme tout le monde. Parce que tu as ton trésor dans ce monde-là. Tu es attaché, bien comme il le faut. Quand les béquilles commencent à tomber, mes amis, eh bien, mes amis, on tremble comme tout le monde. On est le même paquet de gens qui tremblent, mes amis. Et mes amis, on veut aller manifester. Manifester quoi? Je ne sais pas. Mes amis, il faut être bon. Amis, Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Amis, Yeshua est bon. Ce message-là, mes amis, c'est pour les enfants du Machia. Comment ça? C'est pour les disciples du Machia. Amis, qu'on soit, mes amis, réconforté. Qu'on soit fortifié. Comment ça? Encouragé.
mes amis. Donc, mes amis, la paix que Yahushua donne, mes amis, ben, amis c'est une paix, mes amis, qui vient, mes amis, lorsque sa volonté est faite, hein, dans ta vie. Hein? Alléluia. Quand tu es en esprit, ben oui, ben oui. On ne recherche pas, mes amis, on ne va pas trouver cette paix-là en recherchant de nous-mêmes, aller atteindre le ciel de nous-mêmes, mes amis. C'est la religion. Charnellement, c'est la religion, mes amis. On se bat, on se débat et on voit, mes amis, qu'on ne fait pas le même progrès. Il n'y a pas le moindre progrès, mes amis. Alors que, mes amis, quand c'est avec le Mashiach, mes amis, ça glisse. Parce que, mes amis, on est dans sa volonté parfaite, mes amis. Non, on progresse avec, mes amis, il nous fait progresser, le Père. Mes amis, et ce malgré nous, mes amis, c'est lui qui fait. C'est lui qui travaille, qui façonne, mes amis, comme ça, qui te fait franchir les étapes. Tu vois le progrès de jour en jour. Le Mashiach, mes amis, te fait progresser. Alléluia. Comme ça, il n'y a pas le moindre. Mes amis, ça n'est pas de toi. C'est lui qui fait dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Mes amis, le choix est bon, mes amis. C'est ça glisse. Mes amis, mais se soumettre à la volonté du Père. Pas sa volonté, à la volonté du Père. Mes amis, que sa volonté se fasse. Mais toi, tu te soumets parce que toi, tu considères que tu es mauvais. Tu considères que tu veux plaire au cœur du Père et tu veux lâcher les choses qui ne plaisent pas au Père. Tu te soumets à sa volonté et puis à son évangile, à sa vérité, qui te dit la vérité. Et donc, tu te soumets et tu dis au Père, aide-moi. Mes amis, le choix est bon. Alléluia. Le choix est bon. Mes amis, alors, mes amis, alors, comment faire pour lutter, mes amis, contre la religiosité? On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, mes amis. Mais restez dans l'intimité avec le Seigneur, mes amis. Restez dans l'intimité. Gardez son intimité. Développez son intimité avec le Seigneur, mes amis. Hein? Avoir des moments avec le Seigneur, des moments, mes amis. Mais cherchez le Seigneur avec tout son cœur, avec sincérité. Hein? Mes amis, ne pas cacher les choses au Seigneur, mes amis. Si tu es menteur, tu sais que tu es menteur. Si tu es orgueilleux, tu le sais. Hein? Mais, si tu as des véritables sœurs et frères, mes amis, ils vont te dire que tu es orgueilleux. Hein? Si tu fais la calomnie, la médisance, tu le sais au fond de ton cœur. Ne cache pas ça au Seigneur. Hein? Mon ami, parle au Seigneur. Lâche-lui les choses. Vomis les choses que le Seigneur n'aime pas. Mon ami, rentre dans la volonté du Père. Comme ça. Fais plaisir au cœur du Père. Le Père, mes amis, alléluia, mes amis. Il a dit, venez à moi, vous êtes fatigués, chargés. On est chargés, on ne veut pas se décharger, mes amis. Alléluia. Mes amis, Yahushua est bon. Alors, donc, venir au Père, mes amis, hein, avec sincérité, lâcher tout, mes amis. Hein, et, mes amis, reconnaître qu'on sommes des nouveaux-nés. Hein, donc, on a besoin d'être enseigné, hein, comme un bébé, on a besoin d'être enseigné avec l'évangile pur, mes amis, et se soumettre, mes amis, à la volonté du Père. Hein. Si, mes amis, sur la place, mes amis, il y a un enseignant du Mashiach, eh bien, s'humilier par rapport à cet enseignant-là. Mais l'enseignant du Mashiach, mes amis, sera bien souvent maltraité parce que, mes amis, parce que le Mashiach a été maltraité. Donc, bien souvent, mes amis, il sera calomnié. Donc, tu vas entendre des choses sous l'enseignant du Mashiach. Donc, ferme tes oreilles, hein, et ton intimité avec le Mashiach. Demande au Mashiach, est-ce que c'est sur son enseignant? Tu vois? Et humilie-toi et viens et sois enseigné de la part du Mashiach avec humilité et prends la vérité comme elle vient et accepte-la. Hein, mes amis, alléluia. Mes amis, les enfants du Mashiach sont malmenés. Comme ça? Ils ne seront pas aimés par la foule. Comprenons ça, mes amis. C'est écrit. Ils ont détesté le Père. Comment voulez-vous qu'il aime ses disciples, ses enfants? C'est impossible, mes amis. C'est comme ça. Donc, mes amis, non. Tu vas, alléluia, tu vas venir sous la place. Il va falloir être enseigné. Mais, tu vas entendre des choses sur un frère ou une sœur. Mes amis, mais reste dans l'intimité avec le Père. Parle au Père par rapport à ce frère, cette sœur. Parle au Père. Hein, il va te répondre. Hein, et ne te fie pas à ce que tu entends sur la place. Mes amis, la foule là, est terrible. Hein, hein, et déjà, quelqu'un qui vient te parler sur un frère ou une sœur, arrête cette personne. Parce que ce n'est pas de la part du Mashiach que cette personne vient. La calomnie ne vient pas du Mashiach. Dis, excuse-moi, mais je ne veux pas de médisance, je ne veux pas que tu parles sur quelqu'un. Si tu as affaire avec quelqu'un, va voir cette personne. Mais moi, je ne veux rien entendre par rapport à cette personne. Ça ne m'intéresse pas. Il faut pouvoir, mes amis, prendre position pour la vérité. Vous comprenez ça, amis? Ne pas accepter la médisance, hein, les calomnies, les paroles sur les frères et les sœurs. Vous avez
couper court, c'est important. Ça, dès lors qu'on vient, mes amis, avec un message sur un frère, une soeur, arrêtez cette personne-là. Hein, ça ne vient pas du Machia. La calomnie, la médisance, ça ne vient pas du Machia, mes amis. Ça, donc, prenons soin, mes amis, de ces choses-là. Mes amis, hein, cherchons à être enseignés comme il le faut. Mes amis, l'enseignement pur de la part du Machia. Mes amis, et la vérité même ne te caresse pas dans le sens du poil. Tu seras, mes amis, tu vas être hein, les premiers jours là, tu seras. Hein, tu seras hein, c'est comme si on t'était passé dans une machine à laver. Hein, tu seras chiffonné les premières fois, mes amis. Hein, quand tu vas entendre la vérité, tu seras chiffonné. Parce que, mes amis, la vérité va te chagriner. La vérité va te. Ça va te faire travailler comme dans une machine à laver. Hein, tu vas passer dans une machine à laver et tu vas sortir de là chiffonné. La vérité va te froisser. Mais tu vas persévérer parce que tu aimes le Seigneur. Tu vois ça? Donc, la vérité va pas te caresser le sens du poil. Tu vas passer des mauvais quarts d'heure avec la vérité. Mes amis, la vérité, c'est un miroir. La vérité te montre ta laideur. Alléluia. La vérité te montre ta laideur. Alléluia. Donc, tu vas prendre plein la face. Mais tu aimes le Seigneur. Tu vas te soumettre à sa volonté. Mais si dès le départ, on te caresse dans le sens du poil, on te fait entendre ce que tu veux entendre, ce que la chair veut entendre, eh bien, tu vas développer la religion rapidement. La religiosité s'installe dans ta vie. Quand tu vas entendre des choses, mes amis, hein, des paroles bizarres, des paroles qui ne viennent pas du ciel, ça, des paroles déformées, mes amis, ça va te faire créer en toi la religion. Donc, mes amis, sache avec qui tu t'entoures, sachant que, mes amis, que les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de la femme mariée. Rares sont les enfants du Machia dans la foule, mes amis. Rares sont les enfants du Machia. Même ceux qui se disent du retour de la parole, du retour à la parole, mes amis. Comprenons ça. L'ami Yoshua est bon. Comprenez ça? Alléluia. Alléluia, mes amis. Donc, il faut, mes amis, hein, les regarder, mes amis, il faut, hein, mes amis, rester concentrés. Ne pas accepter, mes amis, la calomnie. Hein, mes amis, arrêter les gens, mes amis, et chercher le Seigneur de tout son cœur. Avoir l'intimité avec le Seigneur, mes amis. Comment ça? Avoir l'intimité avec le Seigneur, mes amis. Et ne pas chercher, mes amis. Les amis, la camaraderie. Non, il n'y a pas de sentiment, mes amis. Il n'y a pas de camaraderie dans le Seigneur, mes amis. Comment ça? C'est des frères et des sœurs. Hein? Alors, on se dit là, mes amis, dans la vérité. Comment ça? Dès lors que tu vas entendre des choses hein, qui vont hein, te malmener, tu vas mal dormir à cause de ça, eh bien, c'est la vérité. Parce que la vérité va te malmener. Hein? Si tu es orgueilleux, la vérité va te dire que tu es orgueilleux. Hein? Et la parole va te juger. La parole va te juger. La parole va te juger. Donc on va prendre la parole va te juger. Et tu vas sentir ta douleur. Mes amis, mais tu passes par la machine à laver du Seigneur. Tu passes dans la machine à laver du Seigneur. Tu comprends ça? Donc mes amis, c'est une bonne chose. Ça vient du Machia. Mais comment tu peux venir en tes nouveau-nés et ne pas passer dans la machine à laver? Mais tu es obligé d'être froissé dès le départ, vous avez d'être chiffonné. Parce que, mes amis, la vérité te chiffonne. Quand tu es nouveau-né, là, mes amis, hein, il faut passer par la machine à laver de la vérité. Mes amis, Yoshua est bon. Pour ça, il faut l'enseignement pur, l'enseignement qui vient du ciel, mes amis. Et pour ça, mes amis, il faut, mes amis, hein, mes amis, avoir l'intimité avec le Père, mes amis, demander au Père, mes amis, hein, qui est qui? Demandez au Père, vous avez quelqu'un veut te parler? Demandez au Père, Père, c'est qui? Il faut demander au Père, qui? Père, c'est qui me parle en face là? Est-ce que c'est ton enfant? Parce que beaucoup se disent du Machia. Beaucoup, mes amis, se disent du Machia. Ils ne sont pas du Machia. Les amis, Yoshua est bon. Les amis, quand la religiosité s'installe dans une vie, mes amis, à quel moment la religiosité s'installe dans une vie? Alléluia. Mes amis, Yoshua est bon. Alléluia. Les amis, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire, mes amis. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire, mes amis. Comme ça, on va s'arrêter là. Mes amis, Yoshua est bon, mes amis. Quand tu viens au Seigneur, hein, quand tu es nouveau-né, hein, eh bien, sois dans l'humilité et reconnais que tu as besoin d'être enseigné, mais de l'évangile pur, hein, de la vérité qui te façonne, qui te chiffonne, hein, qui te fait passer dans une machine à laver. Hein. Pour ça, il faut t'entourer d'enseignants du Seigneur qui sont souvent calomniés, méprisés. Comment ça? Hein? Il y a un frère sur lequel on parle, on méprise. Eh bien, dis-toi, ah, c'est des méprisés, il doit seulement venir du Père. Comment ça?
Il y a une soeur qui est méprisée, qui est malmenée. Eh bien, si elle est méprisée, hein, les gens me parlent mal sur cette personne-là. Eh bien, c'est sûrement quelqu'un qui vient du Seigneur. Mais il faut dire ça, c'est comme ça que ça se passe. Pas autrement. Et quand quelqu'un est bien aimé, bien aimé, ça, il faut dire, il y a un petit souci quand même. Hein. Père, c'est qui? C'est ton enfant? Pose la question à ton père. Amis, il faut qu'on ait des bons réflexes, amis. On a assez de se faire entuber. On a assez de se faire, vous avez malmené par des hommes. On en a assez sur la place, il y en a assez, les amis. Il y a assez des hommes là qui prennent la gloire du Seigneur, il y en a assez. Amis, qu'on ait une intimité avec le Père. Qu'on ait, les amis, une intimité avec le Père, les amis, qu'on puisse communiquer avec le Père comme il le faut. Ne pas se faire prendre au piège dans des choses bizarres. Amis, je bon, Père, on se l'adoration, je m'achia. Père, on a besoin de toi, je m'achia, Père. On a besoin de toi, l'amour dans ce monde. L'amour où il y a beaucoup de loups, Père. Alléluia, Père, l'amour tu. Tes enfants sont peu nombreux, Papa. Tes enfants sont peu nombreux, Père. On a besoin de toi dans ce monde de loups, Papa. On a besoin de toi, Papa d'amour, de façon à ce que tu puisses nous éclairer, Père. On a besoin de toi, Papa d'amour, que lorsqu'on vient à toi, Papa d'amour, que nous sommes des nouveaux-nés, Papa. Papa d'amour, on a besoin d'être enseigné bien comme il le faut, Papa d'amour. On a besoin, Papa d'amour, d'être enseigné bien comme il le faut, Papa d'amour. Comme un nouveau-né, Père. Alléluia, Père. On a besoin, Papa d'amour, d'être dans l'humilité, Papa d'amour. On a besoin de, Papa d'amour, qu'on puisse se soumettre, Papa d'amour, à ta volonté et non pas à la nôtre, Papa d'amour. Bien sûr, Papa d'amour, c'est notre volonté, Papa d'amour, qui prime, Papa d'amour, au dépend de ta volonté, je m'achia. Papa d'amour, on ne te respecte pas assez, Papa. On ne te respecte pas, Papa d'amour. Pardonne-nous, je m'achia, Papa d'amour. Touche un cœur, touche une vie, Père. Et que ton nom soit glorifié. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés, mes amis. Yahushua revient, le combat continue. Alléluia.